en accord avec la décision du gouvernement du Québec de hausser les droits de scolarité de 1625 $ par année. Mais tout d'abord, à combien s'élève réellement une facture universitaire? Premièrement, il y a les droits de scolarité. Ces frais sont en constante augmentation depuis 2007 et s'élèvent présentement à 2168 $. Ensuite, il y a les frais institutionnels obligatoires qui augmentent aussi année après année depuis 1986. Ces frais comportent les frais afférents, les frais de gestion, les frais de modernisation de la gestion des études et les frais technologiques, pour un total de 2717 et 16 sous. Maintenant, le gouvernement voudrait y ajouter 325 $ par année pendant 5 ans, pour une hausse de 1625 $. Mais pourquoi hausser les frais et où irait cet argent? En fait, selon le dernier budget, la hausse rapporterait, en 2017, 332 millions de dollars au gouvernement. De cet argent, 116 millions iraient dans les prêts et bourses et 216 millions dans le budget de fonctionnement des universités. Oui, oui, vous avez bien compris, sur les 118 millions supplémentaires promis dans le programme de prêts et bourses suite à la hausse, 98% proviendraient des étudiants et non, comme on tente de le faire croire, du gouvernement. Donc, en résumé, le tiers de votre 1625 $ irait directement à l'aide financière aux études. Il resterait donc à peine plus de 1000 $ pour la qualité de l'éducation. Cependant, de ce deux tiers restant, doit être déduit 10 % pour l'amélioration de l'administration et de la gestion, 20 % pour la qualité de la recherche, 15 % pour le positionnement concurrentiel des établissements universitaires, autrement dit, de la publicité. Et finalement, il resterait donc un peu moins de 600 $ pour la qualité de l'enseignement. On peut donc se poser la question, l'augmentation des droits de scolarité va-t-il vraiment augmenter la qualité de l'éducation? La question est d'autant plus intéressante lorsqu'on compare les dépenses globales par étudiant des universités du Québec, qui sont très similaires à celles du reste du Canada. Doubler les droits de scolarité va-t-il également doubler les dépenses par étudiant des universités québécoises? Évidemment, non. Si les universités manquent réellement d'argent, il existe d'autres solutions.
Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Geneviève Bois. Je suis étudiante en médecine à l'Université de Montréal. Puis je devrais en ce moment être en ma première année d'externat, sauf que j'ai pris une année sabbatique. Puis maintenant, j'habite à Copenhague, au Danemark. Vous êtes le produit de dizaines d'années d'investissement dans l'éducation puis dans la santé. Le Québec a fait un grand bond en avant en ce qui trait à la fréquentation universitaire puis au taux de diplomation générale dans la population. Mais depuis ce grand bond en avant-là qu'on a fait dans les années 60 puis 70, puis un petit peu au début des années 80, ben ça stagne. Ça stagne de plus en plus. J'aimerais ça qu'on pense à ce qui se fait ailleurs parce qu'on se compare souvent à la moyenne canadienne, on se compare souvent aux États-Unis. C'est peut-être facile parce que c'est juste à côté. Mais les États-Unis sont le pays au monde avec le pire taux d'accessibilité aux études universitaires sur la planète. Est-ce qu'on veut vraiment ça, se comparer au pire? On pourrait pas se comparer, je sais pas, à la moyenne ou encore au meilleur pays pour ce qui est de l'accès aux études universitaires. C'est pas cher au Québec étudier, c'est pas cher comparé à qui? Est-ce que vous comparez encore aux États-Unis ou est-ce que vous comparez aux pays de l'Union européenne, aux pays de l'OCDE, peut-être aux pays 12, 14, 16 pays dans le monde où est-ce que les études universitaires sont gratuites? J'habite au Danemark et au Danemark, l'université est gratuite pour tous. Tout le monde reçoit des bourses, peu importe le salaire de tes parents. Le Danemark est l'un des pays au monde où il y a le moins d'inégalités sociales, puis la fréquentation universitaire est la plus commune à travers toutes les classes de la société. Ça veut dire Aussi, que plus une société est égale, moins il y a d'inégalités sociales, et puis il y a beaucoup d'indicateurs qui descendent à ce moment-là. Puis là, you name it, les grossesses chez les adolescentes, l'obésité infantile, les maladies cardiaques, tout diminue dans une société qui a moins d'inégalités. Ça s'appelle le Gini Score, puis vous pouvez aller voir d'excellentes lectures sur le sujet que vous trouvez sur Internet, dans lesquelles ils vous diront que si vous voulez vivre le rêve américain, vous devriez partir d'Amérique du Nord puis aller vivre au Danemark. Gabriel, tout d'abord, en quoi cette hausse est nuisible à un étudiant? Bien, une hausse des frais de scolarité, comme tu le dis, c'est nuisible aux étudiants puis aux étudiantes parce que, selon les chiffres là, du ministère de l'Éducation lui-même, ça va chasser au moins 7 000 personnes des bancs des universités. Ça, c'est des milliers de personnes qui ont la volonté puis le talent d'aller à l'université, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de payer 75 % de frais de scolarité de plus. Au moment où on se parle, les familles de la classe moyenne, là, ils sont déjà dans un état de difficulté. Et là, on va demander à ces familles-là qui déjà font l'impossible pour essayer d'envoyer leur enfant à l'université. On va leur dire, ben là, il faut payer 75 % de plus. Je suis pas sûr que c'est socialement responsable comme décision. Il faut quand même rappeler aux gens à la maison qu'il y a seulement un étudiant ou une étudiante sur quatre au Québec qui a accès à l'aide financière aux études. Donc, 3 personnes sur 4, et ces 3 personnes sur 4-là, c'est surtout la classe moyenne qui est considérée comme trop riche par le système de prêts et bourses. Ces gens-là ne sont pas aidés. Et là, on va aller donner une petite partie de la hausse vraiment aux gens qui sont le plus dans le trouble. Mais la vaste majorité des autres, eux, vont devoir subir la hausse des frais de scolarité de plein fouet. Mais je les pense que c'est ça, dépenses et la dette de la province ne cessent d'augmenter. Ouais. Ne pas augmenter les frais de scolarité, ce que ça veut dire? Reporter à plus tard une dépense que vous devrez payer vous-même de toute façon? Il faut comprendre, là, la hausse des frais de scolarité, ça va aller chercher, on parle là, de quelques centaines de millions de dollars, c'est à peine 1,2 % du budget du ministère de l'Éducation. Puis maintenant, si on voulait tant que ça aller chercher de l'argent pour régler les fameux problèmes des finances publiques, bien, il y a toutes sortes de manières de le déjà, faire. Là, présentement, on est en train de vendre nos ressources minières à des entreprises privées. On est en train de donner nos ressources naturelles, pourquoi ne pas aller chercher de l'argent là, par exemple? Présentement, on est en train d'avoir une politique de gestion de nos ressources minières qui est très, très généreuse envers les compagnies. On ne leur demande pas beaucoup de redevances, là. Il y a à peu près juste les libéraux qui trouvent que ça a du bon sens actuellement dans l'espace public, leur plan de développement des ressources minières. Moi, je te donne un exemple de là où on peut aller chercher l'argent, mais il y en a plein d'autres. On peut parler des fameux paliers d'imposition, hein. Actuellement, on en a 3 paliers d'imposition au Québec. Si on en remettait 10, on baisserait les impôts de 87 % de la population, c'est-à-dire 9 personnes sur 10 paieraient moins d'impôts. Et pourtant, on irait chercher 1,2 milliard de dollars par année. Ça, c'est plusieurs fois la hausse des frais de scolarité. Donc, ça nous laisse de l'argent pour la santé, ça nous laisse de l'argent pour les routes, pour avoir des meilleurs profs. Je pense que ça, c'est une solution très concrète, très réaliste, et qu'il suffit d'avoir la volonté pour l'appliquer. Ouais. Est-ce que vous allez empêcher les étudiants qui veulent aller suivre leur cours entrer en classe? C'est un peu dommage quand même d'entendre des discours comme ça ces temps-ci où on appelle les étudiants et les étudiantes à défoncer là, les lignes de piquetage. Il faut comprendre que le rôle d'une association étudiante, là, avant d'être contre la hausse des frais de scolarité, avant d'être pour la grève, c'est avant tout de consulter ces étudiants et ces étudiantes sur ces questions-là.
de faire en sorte qu'il y ait une décision collective et démocratique qui soit prise, et une fois que cette décision-là est prise, de l'appliquer à tout le monde. Donc, allez-vous empêcher Ariel de passer? Le rôle de l'association étudiante, oui, c'est de s'assurer que s'il y a une grève qui est votée, puis qu'il y a un étudiant ou une étudiante qui décide de respecter cette grève-là, bien qu'il ne soit pas défavorisé, parce qu'il y a une minorité, et c'est une minorité, il faut le dire, qui tente de ne pas respecter la décision qui a été prise collectivement. Mathieu. Tu nous dis que le choix collectif que les Québécois ont fait n'est pas censé et que vous, étudiants, pour ceux qui ont voté, mais vous dites que c'est 55 000. Oui. C'est faux. J'aimerais que vous dites moins un, premièrement, pour moi. Puis ensuite, deuxièmement, vous allez dire moins tous les nombres des membres sur mon groupe. Alors, dites pas 55 000. Vous allez dire 55 000 moins 3 000, moins 4 000. Puis quand on va devenir à 10 000, vous allez dire moins 10 000. Il faut comprendre, là, quand il y a un vote de grève qui se fait, là, le vote de grève se fait pour... Bon, il y a de la mobilisation qui est faite pour qu'il y ait le plus de gens possible qui votent. Le vote est pris, le résultat est rendu. Et évidemment, si la grève est adoptée, la grève s'applique à l'ensemble de l'association étudiante. Si la grève n'est pas adoptée, bien... les cours se poursuivent pour l'ensemble de l'association étudiante. C'est ça, faire un choix collectif. La démocratie, ce n'est pas chaque personne fait ce qu'elle veut. La démocratie, c'est collectivement, faisons des choix et assumons-les ensemble. Et sur la question de l'élection du Parti libéral, si dans l'histoire du Québec, les mouvements étudiants, féministes, syndicaux, s'étaient dit à chaque fois, « Ah, mais le gouvernement a été élu, ne revendiquons pas... » on ne serait pas très loin en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. On ne serait pas très loin à ce qui a trait aux droits des minorités. C'est tous ces acquis-là qu'on a au Québec, on les a parce que des gens se sont mobilisés. Moi, j'ai absolument rien contre le fait que les gens aillent manifester. Qui aillent manifester? Et vous, plus offrant, c'est le manque de...